le rôle à la Fédé, c'est vraiment d'organiser de A à Z les événements. C'est-à-dire que tous les métiers, ou presque, sont représentés au sein de la Fédération Française de Tennis. On teste beaucoup de choses, on regarde ce qui se fait dans d'autres fédérations et dans les autres grands chelems. Roland-Garros, on est propriétaire du stade, donc on peut se permettre plus de choses, tester plus de choses. L'idée, c'est d'utiliser ce bel outil qu'on a pour le mettre à disposition du grand public et de faire découvrir ce stade aussi hors tennis. On a vu ça comme un moyen d'engager un peu plus nos fans, de les fidéliser et de faire en sorte qu'ils aiment revenir sur nos plateformes, qu'ils aiment consommer nos contenus. Forcément, la gamification, c'est aussi un enjeu pour nous de pouvoir créer de la récurrence sur nos plateformes toute l'année via des jeux, via des quiz. On essaye vraiment de mettre tous les moyens dont on dispose à l'œuvre pour créer cette expérience unique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Storytellers, le nouveau podcast de Fast Story qui explore l'univers fascinant de l'expérience fan et du storytelling. Je suis votre hôte Jules Vigroux, marketing manager chez Fast Story et je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast passionnant où nous interrogeons des grands acteurs du sport business, du marketing et de la fan expérience en général. Alors, préparez-vous à être inspiré et à découvrir des histoires fascinantes avec nos invités dans Storytellers, le podcast de l'expérience fan de Fast Story. Je suis Jules, votre hôte, et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Jérémy Thomas, manager digital à la Fédération Française de Tennis et passionné de sport. Bonjour Jérémy, comment vas-tu? Bonjour Jules, ça va et toi? Ça va très bien, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement et de venir échanger avec nous sur le podcast. Merci de me recevoir. Ça fait très plaisir en tout cas que tu sois venu, j'espère que t'es pas trop fatigué. Ça va, je suis en pleine forme. Ça va, là on est à fond 9h du matin, c'est parti. C'est parti. Très bien. Est-ce qu'on pourrait commencer peut-être par une petite présentation de toi pour ceux qui te connaîtraient pas, et nous dire un petit peu depuis combien de temps tu es à la Fédération Française de Tennis et ce que tu fais concrètement. Ouais, ça marche. Moi, c'est Jérémy, je suis manager digital à la Fédération Française de Tennis, donc j'appartiens à la DSI, à la FFT. J'ai toujours travaillé dans le monde du sport puisque j'ai commencé à travailler chez Amaury Sport Organisation en 2015. Je suis arrivé en stage là-bas. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros, ASO a pour but d'organiser des événements sportifs hors stade, dont le Tour de France, le Dakar, le Marathon de Paris notamment. Donc j'ai passé 4 ans et demi là-bas en tant que chef de projet digital. Donc mon rôle, c'était vraiment de faire en sorte que les plateformes digitales évoluent, donc s'adapter aux besoins des utilisateurs et des fans de ces sports-là qu'ASO organise. Et ensuite, en 2019, juste avant Roland-Garros, j'ai rejoint la FFT. En tant que chef de produit digital, il y a une petite nuance entre chef de projet et chef de produit. Là, l'idée, c'est vraiment de faire évoluer en tant que tel, via des développements, les plateformes digitales de la Fédé. Okay. Donc, j'ai fait ça pendant 2 ans. Et depuis l'année dernière, je suis manager de l'équipe digitale. Et notre objectif dans l'équipe, c'est vraiment de créer de la récurrence dans les visites de nos fans sur nos plateformes digitales. Donc, pour les événements que la FFT organise. Okay. À savoir Roland Garros, le Rolex Paris Masters et le Greenwiz Paddle Major. Très bien, très clair et parfait. Et justement, est-ce que tu pourrais nous rappeler un petit peu le rôle de la FFT, de la fédération? Parce qu'on peut un petit peu se tromper. Déjà, c'est une fédé qui a plusieurs sports, etc. Ouais. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu quel est votre rôle dans l'écosystème raquette? Oui, bien sûr. La FFT a 3 rôles principaux. Le premier, c'est vraiment d'animer les licenciés. Et faire pratiquer le tennis en France. Donc, ça, c'est la mission principale de la FFT. Ensuite, la FFT a pour rôle aussi d'animer et d'engager les équipes de France dans les compétitions internationales, féminines ou masculines. Et enfin, la dernière mission de la FFT, c'est de faire rayonner les événements qu'elle organise en France et à l'international. Donc, les événements qu'elle organise, c'est Roland-Garros, le Rolex Paris Masters et le Greenwiz Paddle Major. Comme tu l'as dit, la fédé de tennis n'est pas qu'une fédé de tennis. On parle aussi de padel, qui est un sport très, très à la mode en ce moment, de paratennis, de beach tennis et de courte paume. Donc, c'est vraiment les disciplines qui sont englobées à la FFT. Courte paume qui est donc l'ancêtre du tennis. Exactement. Il y a très peu licenciés en France, mais ils sont très engagés et on tient toujours à garder cette discipline dans le giron de la FFT. Mais c'est comme le jeu de paume, exactement, c'est les mêmes règles qu'à l'ancienne. Exactement. Alors, il y a eu quelques spécificités et ajustements au fil du temps, mais c'est vraiment l'ancêtre du tennis. Et justement, comment vous faites un petit peu au niveau de votre communication, au niveau de ça, comment vous faites la distinction ou comment vous priorisez entre le paddle justement qui est un sport qui est extrêmement montant aujourd'hui, le tennis qui est depuis toujours un sport historique, comment vous gérez un petit peu cet équilibre entre ces différents sports de raquettes? On joue déjà beaucoup sur la temporalité par rapport à la saison sportive qui démarre en septembre et qui finit juste avant l'été. Donc il y a des temps forts dans la saison avec les inscriptions à l'année suivante, les licences, les prises de licences, etc.
On a aussi les événements que j'ai cités précédemment qui rythment l'année, ouais. avec Roland Garros en mai, le Greenwich Paddle Major en septembre et le Rolex Paris Masters en octobre-novembre. Donc c'est des événements aussi qui permettent de donner un peu le tempo à l'année sur la communication. On a un département communication très structuré qui est vraiment équipé pour pouvoir communiquer tout au long de l'année en continu sur tous ces événements-là, aussi sur les équipes de France. Okay. Donc voilà, il n'y a vraiment pas de trou dans la communication et on essaie de s'adapter évidemment à nos cibles, aux différents fans de tennis, de padel, de paratennis, de beach tennis et de courte paume. Okay. Donc voilà, on a vraiment des experts dans toutes les disciplines qui suivent de près les équipes de France et les champions français. Ok, d'accord. Et justement, la fédération dans ce genre d'événements comme Roland-Garros ou les Rolex Paris Masters, qui sont quand même des événements mondiaux, ouais. C'est quoi votre place dans ces événements? Donc vous avez toute l'organisation, mais c'est quoi un petit peu vos objectifs pour ce genre d'événements? Nos objectifs, c'est vraiment de faire rayonner ces événements en France, à l'international, pour pourquoi pas donner des vocations, faire découvrir le tennis, le sport de haut niveau. Nous, le rôle à la Fédé, c'est vraiment d'organiser de A à Z les événements. C'est-à-dire que tous les métiers, ou presque, sont représentés au sein de la Fédération française de tennis. Donc il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont mobilisées de manière très opérationnelle pendant le tournoi, mais aussi en amont pour toute la préparation. D'accord. Donc ça vaut pour Roland-Garros et le Greenwich Paddle Major qui ont lieu dans notre stade à Roland-Garros, Porte d'Auteuil, mais aussi pour le Rolex Paris Masters qui a lieu à l'Accor Arena, où on est locataire pendant 10 jours, mais où, pareil, les métiers sont très impliqués pour ajouter leurs pattes, faire valoir leurs expertises sur leurs différents pôles, en fait. Ok, ça fait une petite idée un petit peu de la FFT, ouais. et de leurs différents rôles. Et maintenant, avant de passer un petit peu à la suite, est-ce que tu pourrais nous donner, c'est un petit peu la question classique de ce podcast, est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu ta définition de ce qu'est une expérience fan réussie pour toi? Alors, pas forcément en rapport avec la FFT ou quoi, hein, mais... Qu'est-ce que c'est pour toi? Comme tu l'as dit, moi je suis passionné de sport, tous les sports. J'aime beaucoup suivre le sport à la télé ou dans les stades. Et pour moi, l'expérience ultime, c'est vraiment quelque chose qui est inoubliable et qui est unique pour chacun des fans. Je pense que chacun a sa perception de son expérience fan réussie. Mais vraiment, il faut que ça touche à l'émotion. Je pense qu'il faut que ça puisse rester ancré dans la mémoire, que ça puisse être un moment unique et souvent qui n'est pas forcément lié à quelque chose qu'on peut acheter. On parle souvent d'expériences un peu money can't buy à la Fédération française de tennis, qui sont des expériences vraiment qui peuvent pas être revendues, qui peuvent être gravées dans la mémoire et laisser un souvenir impérissable aux fans. Donc vraiment ce côté émotion avant tout. Ouais, émotion, personnalisation de l'expérience. Ouais, voilà. Ouais, bien sûr. Mais justement, on va en parler un petit peu plus tard parce que c'est quand même un de vos gros sujets à la FFT. Et pour un petit peu passer sur ce nouveau sujet, on va parler d'innovation maintenant parce que c'est... C'est un des gros sujets à la Fédération française de tennis et on ne s'en rend pas forcément compte si on regarde juste Roland-Garros une fois par an ou quoi, mais il y a énormément de choses qui sont mises en place de votre côté et beaucoup dans cet esprit d'innovation et de digitalisation, donc là où tu as un rôle qui est quand même important. Et justement, pour commencer sur l'innovation, tu m'expliquais que vous avez en fait chaque année un programme d'innovation en fait qui est mis en place. Tu nous disais cette année que vous avez sur Roland-Garros, vous avez regardé un petit peu les temps d'attente. Ouais. C'était ça. Est-ce que tu pourrais nous dire à quoi sort ce programme? Oui, bien sûr. On a une cellule innovation, comme tu l'as dit, au sein de la DSI à la FFT. En gros, on observe un petit peu ce qui se fait dans le monde du sport, mais pas que, dans l'événementiel en règle générale, et les tendances un petit peu du marché. Et on étudie aussi beaucoup les retours utilisateurs. C'est vrai qu'on les récolte au gré de nos événements et de nos tournois. Parce que ça allait être une question, justement, vous les récupérez comment ces données? J'imagine qu'il y a beaucoup de... Ouais, il y a beaucoup de facteurs. On mène des études utilisateurs. Ouais. On se base aussi beaucoup sur les stats qu'on récolte sur nos plateformes digitales. Et on a un pôle UX aussi qui nous accompagne sur le fait d'étudier vraiment des cas concrets sur des cibles concrètes pour voir si ça fonctionne pas, quelles sont les attentes de ces cibles. Okay. Et du coup, en lien avec les programmes innovation, on arrive à lister pas mal de sujets tous les ans qu'on aimerait tester ou qu'on teste suivant la faisabilité pendant nos tournois. Donc, tu en as parlé cette année, les temps d'attente notamment. On a aussi testé une tech place où les utilisateurs et les fans à Roland-Garros pouvaient venir tester leur vitesse de service et derrière être incrusté sur le cours Philippe Châtrier en réalité augmentée. On teste beaucoup de choses. On regarde ce qui se fait dans d'autres fédérations, aux États-Unis où il y a beaucoup, beaucoup d'innovations aussi.
Et dans les autres grands chelems, on est beaucoup en lien avec Wimbledon, US Open, Australian Open, pour échanger sur les bonnes pratiques et voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et donc vous, c'est un petit côté échange en se disant qu'eux, ils font des tests aussi de leur côté, ils vont partager un petit peu certaines informations avec vous et vice-versa sur vos tests pour voir un petit peu comment on peut améliorer au global les compétitions en fait. Exactement. Et on va de plus en plus aussi vers le partage et la mise en commun de nos plateformes, de nos expériences digitales, notamment sur la gestion des joueurs et leur entourage, qui est quelque chose de central. Pour nos événements. On a lancé une application mobile dédiée aux joueurs où ils peuvent réserver leur hôtel, leur transport, leur cordage de raquettes, pendant les compétitions. Leurs entraînements pendant les compétitions. Okay. D'accord. Et du coup, c'est vrai qu'on échange pas mal sur quelles sont les attentes aussi de ces joueurs-là dans les autres grands chelems, puisque potentiellement, ils ont des attentes différentes quand ils viennent à Paris, quand ils vont à Londres, à Melbourne ou à New York. Donc on échange pas mal sur ce genre de sujet, sur des points clés en fait qui rassemblent un peu tous ces tournois. D'accord. Et en fait, c'est comme des phases de test, c'est-à-dire que là, par exemple, ce que vous faisiez pour les files d'attente, vous allez voir avec un petit peu de recul, est-ce que ça vaut le coup, est-ce qu'on le met en place. Ouais, exactement. Et en là... fait, ouais, vas-y. Non, pardon. Les prérequis, sont vraiment de quand on met en place ce genre d'innovation, de tester beaucoup de choses. Donc, on met en place beaucoup d'éléments pour mesurer les données, pour avoir les retours utilisateurs qui sont très importants pour nous. Et derrière, on mixe un peu tout ça et on analyse à froid, en débrief avec tous les métiers concernés, si ça vaut le coup ou pas, si on va plus loin ou si c'était juste un POC qui n'a pas forcément fonctionné et qui n'a pas lieu d'être démocratisé par la suite. Quoi. D'accord. Et c'est pas seulement lors des compétitions, c'est tout au long de l'année, plus sur les compétitions. Ouais, plus sur les compétitions parce qu'on est, comme je l'ai dit, à Roland-Garros, on est propriétaire du stade, donc on peut se permettre plus de choses, tester plus de choses. Mais je pense que ça va vraiment aussi être le cas tout au long de l'année, d'engager aussi un petit peu plus nos clubs et nos ligues et nos comités pour pouvoir tester des choses sur leur licence à eux, qui connaissent très bien au final. On essaye de petit à petit s'ouvrir encore à l'année et connaître au plus près le besoin de nos utilisateurs finaux. Quoi. Très bien. Et la gamification à la FFT, c'est un sujet. On a travaillé un petit peu avec vous pour Roland-Garros cette année. Sur justement un petit peu ce côté gamification. Quel est le but d'ajouter de la gamification aujourd'hui à vos process et à ce que vous proposez aux licenciés? Il y a plusieurs buts à ça. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez nouveau. Je pense qu'on a commencé vraiment à se lancer dans la gamification après le Covid, ou pendant le Covid. C'est vraiment quelque chose qui est né chez nous pour continuer à animer ces communautés qu'on ne pouvait plus voir venir au stade, puisqu'il y avait des restrictions pour venir à Roland-Garros notamment. Et du coup, nous, on a vu ça comme un moyen d'engager un peu plus nos fans, de les fidéliser et de faire en sorte qu'ils aiment revenir sur nos plateformes, qu'ils aiment consommer nos contenus, qu'ils les consomment chez nous et pas sur d'autres plateformes et qu'ils puissent vraiment derrière être engagés comme faisant partie de la FFT et des événements. Donc nous, l'idée, c'est qu'on augmente l'expérience utilisateur, mais qu'on offre aussi une plus-value à toutes les personnes et tous les ayants droit qui peuvent avoir une visibilité sur nos événements, comme nos partenaires, nos diffuseurs, et nous, la marque Roland-Garros ou Rolex Paris Masters. Et c'est pas ciblé à de la nouvelle génération ou... Enfin, ça l'est, mais je veux dire, c'est pas spécialement axé pour aller chercher une nouvelle génération. En fait, on pensait vraiment ça, que ça allait attirer une génération un peu plus jeune. Ouais, mais au final, dans les chiffres, pas tant. On reste dans l'âge médian des fans de Roland-Garros et du Rolex Paris Masters, puisqu'on essaie aussi de créer des jeux, des expériences qui puissent être comprises par tout le monde, accessibles à tous. C'est vrai qu'on pourra peut-être en reparler par la suite aussi, mais l'accessibilité sur nos plateformes digitales, c'est un vrai point aussi. On essaye de prendre en compte l'écosystème au global et d'adresser, via des expériences différentes peut-être, mais au moins d'adresser toutes les cibles dont on dispose. D'accord. Mais quand tu parles d'accessibilité, c'est-à-dire Accessibilité numérique, par exemple. Ouais. On sait que c'est un gros enjeu de rendre accessibles nos plateformes digitales pour tous, tous les publics. Les simplifier, faire en sorte de s'adapter à tous les handicaps aussi. D'accord. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille aussi en ce moment. D'accord. Et ça fait partie des axes d'innovation justement pour nous. Ok. Je pense qu'on n'a pas un retard, mais on n'est pas non plus en avance sur cette partie-là. Et l'idée, c'est un peu de se mettre à niveau pour, encore une fois, toucher toutes les cibles et que tout le monde puisse s'y retrouver dans nos
dans nos plateformes. Et justement, c'est des choses qui sont déjà faites un petit peu à l'international sur d'autres fédérations, par exemple ou... Ouais, justement, on observe pas mal ce qui se fait ailleurs. Je sais que la fédération belge, par exemple, de tennis, ils ont des plateformes entièrement accessibles à tous. Okay. On voit beaucoup aux États-Unis aussi les nouvelles plateformes qui se lancent, notamment celle de la NBA, où il y a des modules d'accessibilité pour tous les types de handicap. D'accord. Donc nous, on a entrepris cette démarche de voir où on se positionnait déjà, okay, par rapport ouais. à toutes ces plateformes-là. Et là, on va attaquer des chantiers un peu plus de développement D'accord. pour se mettre à niveau sur ces sujets-là qui sont très importants pour nous. Ok, donc ça fait partie aussi de l'innovation, ce ouais. sujet d'accessibilité. Exactement. Et, très bien. Et pour ce qui est de ce qu'on disait tout à l'heure, les expériences un petit peu money can buy, parce que ça fait partie justement de ce côté innovation, ouais. je pense que c'est aussi... alors, pas vous forcément, mais c'est quelque chose qui est vachement inspiré de ce qu'ils font aux États-Unis, enfin ce qu'ils font d'outre-mer. Ils ont quand même ce côté vraiment des expériences qui sont inoubliables et littéralement money can buy. Quoi. Ouais. C'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter, quoi, qu'on peut que vivre. Ouais. Est-ce que tu as des exemples déjà en tête ? Enfin, j'imagine que tu en as parce que oui, c'est quand même sympa, on s'en rappelle. Et c'est quoi pour vous l'intérêt ? Parce que justement, ce genre d'expérience, c'est souvent. Pas niche, mais c'est souvent pour un certain nombre très limité de personnes. Ouais. C'est souvent une ou deux expériences qui vont arriver pendant un événement incroyable, donc il n'y a pas beaucoup de monde qui peut y accéder. C'est quoi l'intérêt alors ? Parce que ça ne va pas être de fidéliser juste cette personne, mais voilà, c'est quoi un petit peu l'intérêt de ces expériences ? Bah, déjà, pour revenir sur ce que tu viens de dire, on a vu notamment avec le Web3 et les NFT que la rareté, c'est la valeur. Donc en fait, plus une expérience est rare, ouais. plus elle a de la valeur aux yeux de nos fans, et plus ils seront engagés aussi pour essayer d'atteindre ce graal, cette expérience un peu inoubliable. Ouais. Donc, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'engager un petit peu les joueurs. Par exemple, sur le Rolex Paris Masters l'année dernière, on avait un quiz en live pour les spectateurs pendant la finale. Les personnes qui avaient bon au quiz pouvaient être éligibles au tirage au sort pour rencontrer le vainqueur de la finale. Donc c'était Holger Rune qui a gagné l'année dernière. Et du coup, le vainqueur a pu avoir un moment inoubliable avec le vainqueur juste après la finale, après la balle de match jouée. Ouais. Donc il a été quasiment la première personne à voir le vainqueur après la finale. C'est sympa. Donc ça, c'est des souvenirs qui restent, qui peuvent être aussi assez virales. Ouais, si la personne est engagée sur les réseaux sociaux, elle peut être vraiment susceptible de partager tout ça. Voilà, on essaie de beaucoup jouer aussi avec nos infrastructures. On est propriétaire du stade à Roland-Garros, donc les visites du stade, ouais. Des vestiaires, des bords de cours, c'est des choses qu'on essaie de faire gagner aussi à nos fans. Okay. Voilà, on essaie vraiment de créer des expériences inoubliables. On veut aller plus loin là-dessus. Je pense que c'est important d'en offrir un peu plus aussi ouais. et de diversifier un petit peu tout ça. Mais en tout cas, on voit que ça marche bien à partir du moment où on a des dotations qui sortent un peu de l'ordinaire. L'engagement est plus élevé chez nos ouais. fans. Et voilà, sur les plateformes Fastory qu'on utilise depuis l'année dernière, on voit qu'il y a un gros taux d'engagement et c'est plutôt satisfaisant de voir que, bah, qu'on peut capitaliser là-dessus. Ouais, c'est sympa et ça donne envie surtout ce genre d'expérience parce que c'est, bah voilà, c'est tout money can buy, on peut pas vivre ça nulle part ailleurs. Donc, ouais. Après, c'est sûr que voilà, y a cet intérêt de dire venez découvrir cette expérience avec nous, venez partager ça avec nous. On a quand même envie d'y être, même s'il n'y a que 2-3 personnes qui peuvent y aller, on a quand même envie de partager ça avec eux. Donc c'est sûr que ça fait rêver et je pense que ça marche bien. Après, je te rassure, on a aussi des lots plus classiques, hein, ouais. des billets pour Roland-Garros, pour Rolex Paris Masters, des produits dérivés aussi. C'est des dotations qui, de tous les cas, qui marchent toujours. Ouais, bien sûr. Mais voilà, on essaie de varier un petit peu. C'est un autre level aussi. Ouais, voilà. Là encore, suivant nos cibles, on essaie de varier. Ouais. Voilà. Et justement, ces money can buy, c'est des cibles, ça reste très général ou vous ciblez quand même un certain type de public pour ce genre d'expérience ou c'est non, enfin, en fait, à partir du moment où la personne participe à l'expérience, ouais, elle est éligible ouais. au fait de gagner. Il n'y a vraiment pas de restriction là-dessus. Alors, sur la finale du Rolex Paris Masters, l'année dernière, c'était un peu spécifique puisqu'il fallait que la personne soit dans l'enceinte oui. du stade pour qu'elle puisse directement rencontrer oui. le vainqueur. Okay. Mais si c'est une visite du stade, on peut la programmer ultérieurement. D'accord. Voilà, mais on a des outils qui nous permettent de savoir aussi si la personne, via son billet, est présente. On peut lui poser des questions via le chatbot de Fastory aussi pour savoir ouais. si elle est vraiment là et si elle veut aussi participer. Oui. Y a toujours cette notion d'acceptation de règlement et de consentement qu'on respecte évidemment. Bien sûr. Donc, ouais. Voilà. Bah comme justement là pour Roland-Garros, la dotation c'était de gagner une place pour Roland-Garros de l'année prochaine. Ouais. Si chaque soir où il y a eu l'événement avec Barry Wham, le groupe de beatbox, ouais. il y avait cette petite dotation où chaque soir on pouvait gagner, mais il fallait être présent aussi dans le stade. Exactement. Parce qu'il fallait pouvoir jouer au jeu qui était en live dans le stade et donc forcément. Ouais. Bah, forcément. On essaye aussi de récompenser les personnes mais qui oui. sont dans le stade, logique. Qui bien ont sûr. Envie de vivre cette fan expérience ultime, bien de sûr. Lier un petit peu, bah, comme tu l'as dit avec le show Barry Wham, de lier un petit peu le physique et le digital. On essaye de créer un peu un lien entre tout ça, même pour les générations qui ne sont pas forcément au fait des outils digitaux. Ouais.
Donc oui, on essaye vraiment de mettre tous les moyens dont on dispose à l'œuvre pour créer cette expérience unique. Et pour les plus jeunes, vous avez des choses aussi, j'imagine, pour les alors c'est peut-être moins intéressant, on va dire, mais il y a peut-être des choses qui sont mises en place aussi pour les jeunes générations qui s'intéressent au tennis, pas forcément les licenciés, mais est-ce que vous avez des petites choses qui sont aussi c'est un peu possible? Nous, sur le digital, on anime beaucoup la communauté des ramasseurs de balles. Vous les voyez à Roland-Garros, les jeunes ramasseurs de balles. Nous, on a créé une plateforme pour eux l'année dernière. Justement, je voulais en parler de vos nombreuses applications, dont celle-ci. C'est fou, vous avez une application pour les ramasseurs de balles. En gros, elle sert principalement à recruter ces ramasseurs de balles parce qu'il y a beaucoup de demandes. Il y a un gros casting. Ah oui, quand même. Voilà, donc si vous voulez des renseignements, c'est sur weareballos.com. Il y a tout le process qui est écrit pour devenir ramasseur de balles. Okay. Et ensuite, une fois que c'est ramasseur de balles, ils sont avec nous, ils sont embarqués dans Roland-Garros. C'est vraiment l'idée d'animer cette communauté spécifique qui, elle, est au cœur de Roland-Garros, qui vit quelque chose d'encore différent. Okay. Et l'idée, c'est de les animer via des articles dédiés, via des jeux dédiés aussi. D'accord. Donc voilà, nous, sur les plus jeunes, on fait ça. Et puis après, évidemment, dans le stade, il y a des animations pour découvrir un peu le tennis. Il y a ce qu'on appelle de l'urban tennis, qui sont des petits terrains de tennis avec des balles un peu plus légères. D'accord. Où on peut tester son coup droit et son revers dans le stade. Okay. Voilà, il y a pas mal d'activations aussi. Et on a un pôle événementiel qui met en place plein de choses super cool pour les jeunes et les moins jeunes, d'ailleurs, dans le stade. Ok. Très intéressant. Et ça me fait... C'est intéressant parce que, justement, c'est un ramasseur de balles qu'on... On en apprend de plus en plus sur eux aujourd'hui, et je me rappelle même là pour Roland-Garros, il y a Brut, ou je ne sais plus quel média les avait suivis un petit peu, avait fait tout un petit document sur eux, et on se rend compte que c'est un rôle qu'on connaît peu, mais qui est quand même super important, qui est très codifié en plus, qui est très... Donc c'est intéressant que vous ayez cette petite application justement pour recentrer un petit peu toute cette communauté qui est très à part, et qui est en plus activable seulement pendant une période qui est très courte au final dans l'année. Donc exactement. Mais de ce que je ressens de l'extérieur de cette communauté de ramasseurs de balles, c'est un petit peu comme quand tu vas en colo, tu vois. Okay. En fait, ils passent l'ensemble du tournoi ensemble, ils créent vraiment du lien, et du coup, ça fait une communauté à part. Ouais. Et il y a un historique sur plusieurs années aussi, donc ils sont vraiment très soudés. Et ils font partie intégrante du tournoi. Ouais, c'est trop cool. Et donc, c'est des personnes qui reviennent souvent chaque année, j'imagine, ou c'est... Alors, il y a une tranche d'âge pour pouvoir participer au ramasseur de balles. Mais oui, après, je pense que quand ils ont goûté à Roland-Garros, ils veulent revenir. Ils doivent bien kiffer. Ok, d'accord, ça, c'est cool. Ça, c'est très, très cool. Et donc, t'as un petit peu anticipé ma question, mais je voulais parler justement des nombreuses applications que vous avez, que vous mettez en place. Donc, ça fait partie de votre stratégie de digitalisation, j'imagine. Ouais. Tu me parlais donc de cette application pour les ramasseurs de balles, mais vous en avez un nombre assez important. Ouais. Pourquoi donc ? Enfin, ça fait partie de cette stratégie de digitalisation, j'imagine, mais pourquoi autant d'applications ? Déjà, comme je l'ai évoqué, il y a beaucoup, beaucoup de métiers qui gravitent autour de nos événements. Donc, il faut pouvoir offrir des services à ces métiers qui, au final, sont aussi nos cibles. Ouais. On parle beaucoup des cibles grand public, de vouloir animer nos communautés grand public, mais aussi les communautés internes, des gens qui sont... engagés dans le tournoi, les journalistes, les personnes, enfin les intérimaires qui sont recrutés. On a créé une plateforme de recrutement pour les intérimaires aussi. D'accord. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de populations, les joueurs, j'en ai parlé tout à l'heure aussi. Ouais. Donc l'idée, c'est vraiment d'offrir la meilleure expérience possible à toutes ces populations-là, mais pas forcément nos fans finaux, enfin pas que nos fans finaux. D'accord. Mais vraiment tout le monde. Oui, ça permet de en plus de les segmenter un petit peu et de se retrouver avec des personnes qui vont être dans les mêmes besoins, les mêmes attentes, les mêmes... D'un point de vue parcours utilisateur, les cibles n'auront pas les mêmes attentes. Donc forcément, on ne peut pas leur offrir les mêmes plateformes. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, dans notre cœur de métier, il y a évidemment les plateformes dédiées au grand public, les applications officielles, les sites officiels Roland-Garros, Rolex Paris Masters, Greenwich Paddle Major, où là, c'est vraiment des infos destinées au grand public, avec des actualités sur le tournoi, des jeux, les scores en live, voilà, pas mal d'infos pour suivre le tournoi. Même pour les personnes qui n'ont pas la chance de venir au stade, en fait. D'accord. Ouais. Et donc, un de vos gros sujets aussi d'innovation, c'est la personnalisation du parcours utilisateur. Ouais. On en parlait un petit peu en dehors du podcast, mais tu nous disais que c'était quand même un très gros chantier, qui était de pouvoir avoir une personnalisation du parcours vraiment le plus précis possible pour que chaque personne qui va demain rentrer sur n'importe quel contenu ou média de la FFT pourra s'y retrouver. Et ce que tu m'expliquais, c'était par exemple un fan de Alcaraz ou un fan de Djokovic ne verra pas la même chose en fonction de des types de contenus qu'il va aimer, qu'il va vouloir regarder. C'est comment vous mettez ça un petit peu en place, comment vous segmentez ces utilisateurs pour avoir cette personnalisation ultime, quoi.
En fait, il y a plusieurs phases. On a d'abord commencé par l'abonnement aux joueurs, tout simplement, pour essayer de savoir, toi, si tu t'abonnes à Alcaraz, bah, forcément, tu seras plus enclin à recevoir des actualités sur ce joueur-là. Donc, on a commencé par ça. Et puis derrière, via le parcours connecté, donc les comptes utilisateurs qui sont communs à toutes les plateformes de la FFT, on connaît un peu mieux les personnes qui viennent ou pas au stade, si elles sont en France ou à l'étranger. Si elles sont pratiquantes du tennis ou non. Et du coup, forcément, on peut adapter nos contenus et tout ce qu'on met à l'intérieur de plateformes là-dessus. Donc, en gros, nous, l'objectif, c'est vraiment de créer cette coquille-là, cette coquille un peu vide de plateformes digitales. Et derrière, nos équipes contenus viennent alimenter tout ça via de la personnalisation. Donc, on a envie d'aller encore plus loin, mais on arrive déjà à faire des belles choses sur la personnalisation. Comme tu disais, si tu es abonné à Alcaraz ou Djokovic, tu n'auras pas forcément les mêmes infos, tu ne recevras pas les mêmes push notifications, tu n'auras pas les mêmes jeux qui seront proposés. On essaye vraiment de s'adapter à nos cibles, encore une fois, sur tous les plateformes digitales. D'accord. Et ce n'est pas seulement pour les personnes qui vont venir à vos événements hauts, donc c'est aussi pour les licenciés, c'est aussi pour les clubs, etc. Non, justement, dans les utilisateurs de nos plateformes, on a une majorité de personnes qui ne viennent pas en fait nos événements, qui suivent le tournoi à l'international. On a beaucoup d'utilisateurs américains, australiens, en Asie aussi, qui suivent le tournoi à distance. D'accord. Donc il y a aussi ces notions de décalage horaire aussi pour ne pas spoiler les résultats quand ils veulent regarder les résumés le lendemain, etc. Voilà. Il y a beaucoup de réflexions qu'il faut essayer d'anticiper un maximum. Jusqu'à l'international. Jusqu'à la version linguistique du site, jusqu'à des sujets qui peuvent être un peu plus touchy de manière géopolitique, etc. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir tout ça en tête quand on sort des contenus. D'accord, ok, très bien, très clair. Donc c'est un de vos gros chantiers qui est déjà très bien avancé, mais... un de vos objectifs un petit peu d'avoir cette personnalisation, et ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure sur ce qui est une expérience fan réussie pour toi, c'est d'avoir ce côté où on a l'impression de vivre quelque chose qui nous appartient, qui est émotionnel, qui nous correspond, et ce parcours utilisateur, je pense, il joue beaucoup. Et c'est essentiel aujourd'hui, on le voit quand on arrive sur des réseaux ou autres et qu'on a plein d'informations dont on n'a absolument rien à faire. Ça donne pas forcément envie de rester, et c'est vrai que dans le sport, c'est quand même très particulier parce que t'as beau aimer le tennis, tu vas pas aimer tous les joueurs de tennis, tu vas pas aimer. Donc c'est intéressant d'avoir un parcours qui est segmenté, et je trouve que c'est une très bonne initiative, forcément. Et ça porte déjà ses fruits, donc c'est bien. On va essayer de continuer dans cette voie. C'est parfait. Et pour rester sur la voie un petit peu innovation, presque future, un des sujets un petit peu d'actualité aujourd'hui, c'est l'IA. Comment vous utilisez, si vous l'utilisez, mais comment vous l'utilisez pour améliorer vos process ou pour les expériences utilisateurs ou autres, comment vous utilisez l'IA aujourd'hui à la FFT? Pour l'instant, ici surtout dans la partie statistique. C'est vrai qu'au final, le tennis, c'est un sport assez complexe si on rentre dans le détail de toutes les statistiques. Donc nous, l'idée, c'est vraiment de simplifier un peu grâce à nos partenaires et prestataires cette stat-là, l'exploiter de manière brute et la restituer de manière un peu plus simple à digérer pour nos utilisateurs. D'accord. Et donc, on a des plateformes, pour le coup, qui ne sont pas visibles pour le grand public, mais via l'IA, qui nous aident à extraire la meilleure stat d'un match qui a lieu sur le court 14 ou d'un point chaud qui a lieu et où, forcément, avec nos yeux humains, on ne peut pas... scruter les 10 matchs qui en même temps sur tous les cours. D'accord. Donc l'IA nous aide là-dedans à la prise de décision surtout. D'accord. Sur quel match on va mettre en avant par rapport à un autre sur nos plateformes digitales, comment on peut mieux expliquer cette statistique à nos utilisateurs. Alors, ça nous aide surtout là-dessus. Et après, on observe ce qui se fait ailleurs. On observe ce qui se fait ailleurs dans la génération d'avatars, de photos, de vidéos en IA. On observe ça pas mal sur le marché. Pour l'instant, on ne s'est pas lancé dans un chantier de grande envergure, on va dire, sur l'IA, hormis les stats. Mais on observe ce qui se fait. Oui, ça reste de l'observation et plus en interne, au final. Oui, exactement. Pour l'instant. Okay, pour l'instant. Bon. Mais c'est déjà pas mal, parce que aujourd'hui, c'est un sujet qui est quand même très à la mode, mais qui n'est pas pour autant pris en compte par toutes les fédérations ou toutes les entreprises ou autres. Donc, le fait que vous y ayez déjà pensé, que ce soit déjà mis en place et que vous anticipiez peut-être de l'utiliser pour le grand public, c'est,
c'est intéressant et ça montre d'autant plus le côté innovation. Ouais, typiquement, c'est le genre d'innovation qui peut rentrer dans un programme innovation pour Roland Garros 2024 ou après. Voilà, c'est des choses qu'on peut tester. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ce qui a été mis en place pour améliorer l'engagement InStadia durant les Rolex Paris Masters et Roland Garros de cette année? Oui, en fait, suite au Covid, encore une fois, on s'est rendu compte qu'on avait un peu plus cette volonté d'engager les fans InStadia, puisqu'ils sont forcément très contents de revenir au stade et un peu plus enclins aussi à participer au spectacle. Et du coup, lors du Rolex Paris Masters, je sais pas si tu connais un petit peu le tournoi, mais on a un show d'entrée des joueurs qui est assez iconique via un tunnel où c'est vraiment une ambiance indoor à l'Accor Arena et il y a beaucoup d'ambiance. Ouais. Et là, l'idée, c'était de laisser le choix aux utilisateurs, aux spectateurs présents sur place, du show d'entrée en choisissant la thématique rock, électro du show. Et du coup, via Fast Story, on leur permettait de voter quelques secondes avant le début du show. Et c'est le choix le plus plébiscité qui était choisi justement pour l'entrée du joueur. Donc ça crée vachement beaucoup d'expérience. Et ça crée de l'engagement même dans le stade, mais c'était par rapport à... Ça changeait la musique et les panneaux LED qu'il y avait dans exactement, tout le stade. Oui, exactement. En fait, on avait pu créer différents univers ceci était choisi par rapport à ce qui a été publicité par les fans. Okay. Donc c'était la couleur, la musique, vraiment l'ambiance, l'atmosphère autour de l'entrée du joueur. Ce qui fait qu'ils pouvaient presque avoir un petit peu ce qu'ils avaient demandé comme entrée des joueurs. Quoi, ouais. Au final, s'ils étaient dans la majorité exactement, de la salle. Exactement. Et les joueurs ont apprécié ces shows et vraiment, de ce qu'ils disent, ça les booste vraiment au début de leur match. D'accord. Ça crée une vraie interaction autant du côté public avec l'engagement que du côté, du côté joueur. Quoi. Okay. Et le challenge était assez élevé puisqu'on était dans un format indoor à l'Accor Arena où on est en location contrairement à Roland-Garros. Donc on avait pas mal de paramètres à prendre en compte et de défis à relever et je pense que ça a été plutôt bien fait et on va essayer de reconduire ça en l'améliorant un petit peu pour cette année. Très bien. Et pour Roland-Garros, alors cette année aussi, on en parlait tout à l'heure, il y a quelque chose qui a été mis en place avec le groupe de beatbox Berry Wham. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette expérience aussi? Exactement. Depuis quelques années maintenant, on a deux sessions, une session de journée, une session de soirée à Roland-Garros. Et du coup, il y a entre ces deux sessions des animations qui sont prévues. Et là, en l'occurrence, c'était le groupe de beatbox, comme tu l'as dit, Berry Wham, qui avait une prestation en live et qui nous a offert un blind test. Et du coup, les utilisateurs pouvaient, via l'application mobile, participer à ce blind test en essayant de deviner les chansons qui étaient interprétées par et les titres qui étaient interprétés par Berry Wham. Donc ça a eu aussi un bon succès. Je pense que les utilisateurs étaient assez enclins à jouer. Le processus était assez compréhensible pour eux aussi. Donc c'était une bonne expérience qu'on va essayer pareil de retenter l'année prochaine à Roland Garros. Trop bien. Et pour avoir vu les images et avoir participé avec l'équipe, ça a l'air d'avoir bien plu et c'était sympa d'avoir une petite animation justement à cette espèce d'avant-match justement où il y a Berry Wham qui viennent faire leur petit concert, pouvoir interagir avec eux de cette manière et avoir ce petit côté challenge quand on est là à attendre que le match commence. Ouais. Je comprends le côté engageant et ça est sympa et tant mieux que vous réitérez ça l'année prochaine alors en espérant. Ce sera peut-être sous un format différent, mais en tout cas, le fait d'interagir avec le public, c'est une chose qu'on souhaite faire perdurer. Ouais. Très bien. Pour ce qui est du futur un petit peu de la Fédération Française de Tennis et de ce qu'on pourrait attendre pour les années qui arrivent, un petit peu vos ambitions, on va dire, l'un des gros sujets, forcément, c'est des événements comme Roland-Garros. Vous êtes propriétaire de Roland-Garros, mais Roland-Garros arrive une fois par an. Ouais. Donc même si c'est un énorme événement une fois par an, le reste de l'année, comment vous faites? Comment vous comptez faire maintenant pour que ce stade puisse continuer à vivre toute l'année et que ce ne soit pas juste un stade qui attende une fois par an un grand événement Ouais, déjà Roland-Garros, on le prépare toute l'année, donc ça nous donne pas mal de travail toute l'année. Mais en effet, comme tu l'as dit, Roland-Garros, on peut dans le stade, on peut organiser beaucoup de choses. Et le stade à l'année a ouvert ses portes l'année dernière, et du coup, il y a d'autres événements hors tennis qui sont organisés. Enfin, tennis aussi, puisqu'il y a les championnats de France notamment. Ouais. Mais il y a des combats de boxe qui ont eu lieu, des matchs de basket. Combats de boxe, basket, je savais, mais combats de boxe, je savais pas. Si Tony Yoka a pu combattre à Roland Garros. D'accord. Voilà, il y a des artistes qui viennent se produire. Ouais, sur le coup, Philippe Châtrier. Ok, incroyable. Il y a des artistes qui viennent se produire, comme Farid il y a quelques semaines. Ouais. On a beaucoup de choses, des visites de stade, des séminaires qui arriveront prochainement aussi à Roland Garros. Donc l'idée, c'est d'utiliser ce bel outil qu'on a. Pour le mettre à disposition du grand public et de faire découvrir ce stade aussi hors tennis. Ouais.
Et c'est aussi un bon exercice de préparation en vue des JO Paris 2024 l'année prochaine, puisque le stade Roland-Garros accueillera les épreuves de tennis et de boxe. Donc voilà, l'idée c'est aussi de pouvoir mettre ce stade en configuration autre que Roland-Garros. Et donc c'est des bons exercices à effectuer. Très bien. Et dans ce même sujet, comment vous activez un petit peu vos fans tout au long de l'année? Parce que j'imagine aussi qu'il y a une certaine saisonnalité. Vous devez avoir, je ne sais pas s'il y a plus de licenciés à certains moments, mais en tout cas, il doit y avoir un petit peu plus de mouvement aux périodes de certains événements comme cet été avec Roland Garros, Wimbledon, etc. Comment vous faites comment vous comptez activer les fans tout au long de l'année? En fait, le tennis s'arrête vraiment jamais. Y a tout le temps des tournois quasiment toute l'année. Donc, l'idée, c'est de surfer aussi sur ces autres tournois à D'accord. l'international pour créer du contenu, évoquer les performances des joueurs engagés à Roland-Garros dans d'autres tournois. Voilà, typiquement, la couverture de Wimbledon avec le sacre d'Alcaraz a été bien faite sur nos plateformes digitales. Forcément, la gamification, c'est aussi un enjeu pour nous de pouvoir créer de la récurrence sur nos plateformes toute l'année via des jeux, via des quiz. Potentiellement un calendrier de l'Avent à la période de Noël, voilà, c'est des genres d'activations qui plaisent toujours et qui permettent de montrer qu'on fait aussi des choses toute l'année. Et puis on a aussi des plateformes dédiées à nos licenciés qui permettent à nos licenciés d'organiser leur vie sportive dans leur club avec la réservation de tournois, l'organisation D'accord. de matchs libres avec des amis, etc. Donc voilà, l'idée c'est vraiment que le tennis ne s'arrête jamais, le tennis et les autres sports de la Fédé ne s'arrêtent jamais. Et au-delà de Roland-Garros, on a aussi d'autres événements comme le Greenwich Padel Major qui a lieu en septembre, qui est un grand chelem de padel qui a lieu à Roland-Garros. Puis le Rolex Paris Masters en octobre-novembre. Du coup, en fait, les événements s'enchaînent assez vite et on a pas mal de temps fort dans l'année. D'accord. Et est-ce que tu as des petites... À quoi on pourrait s'attendre en tant que fan, comme nouvelle chose un petit peu de la part de la FFT pour la rentrée de cette année ou surtout un petit peu plus loin pour 2024-2025, en dehors des JO bien sûr. À quoi on peut s'attendre? Je sais qu'il y a une refonte du site vitrine, des choses comme ça. Voilà, en tant que fan, qu'est-ce qu'on doit attendre de la FFT? Exactement, tu l'as dit, on a une grosse refonte du site fft.fr, le site un peu vitrine de la Fédération Française de Tennis qui aura lieu début 2024. Donc voilà, les chantiers sont déjà engagés là-dessus. Et surtout, on va essayer d'aller encore plus loin sur l'expérience fan, le fan engagement, avec des apps qui vont beaucoup évoluer, notamment celle du Rolex Paris Masters qui est déjà dans les stores, mais qui va beaucoup évoluer en septembre-octobre avant le tournoi. D'accord. Avec plus d'expérience, plus de stats, plus d'outils pour les spectateurs et les gens qui suivent le tournoi à distance. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de faire évoluer tout au long de l'année ces plateformes-là et d'aller encore plus loin, comme on l'a évoqué précédemment, sur le gaming, la gamification, l'expérience utilisateur, la personnalisation des contenus. Voilà, l'idée c'est vraiment de continuer ce qu'on a commencé en fait, mais d'aller vraiment plus loin. Ok, tout simplement. Tout simplement. Très bien, donc on peut s'attendre à quand même des nouvelles petites choses, mais surprise encore. On peut pas tout dire non plus. Ouais, on peut pas tout dire, j'imagine. C'est le secret un petit peu. Faudra aller aux différents événements pour voir un petit peu l'évolution. Quoi. Exactement. Très bien. Et toi, plus personnellement, si on met un peu de côté la FFT, tu vois comment le futur de l'engagement dans le sport ou le futur de l'expérience fan en général, pour toi, qu'est-ce qui va faire que demain, on aura des expériences qui sont plus intéressantes à proposer à nos fans? Forcément, moi j'ai une sensibilité digitale, donc les outils digitaux doivent servir, je pense, à l'expérience fan, que ce soit pour montrer son billet à l'entrée du stade, mais aussi pour pouvoir participer avec les joueurs, avec les autres fans dans le stade à des activités en commun, en fait, que ce soit des blind tests ou des quiz ou même le fait d'avoir des stats sur les joueurs. Je suis un grand fan de foot, ça m'intéresserait énormément de savoir le nombre de kilomètres parcourus par tel ou tel joueur en temps réel, par exemple. Comme au football américain où ils ont exactement 50 milliards de stats à chaque match. Exactement, je pense que le plus on arrivera à donner à n'importe quel moment, en fait, au moment où le fan le souhaite, une info qu'il recherche, mieux l'expérience sera bénéfique pour tout le monde, en fait. Donc c'est un peu ça, l'expérience fan ultime pour moi, et surtout d'avoir envie de retourner au stade, d'avoir envie de revivre ces expériences-là, et d'être accro, en fait, à ces événements sportifs-là. Et pas que sportifs, d'ailleurs. D'accord. Et donc c'est une sorte de belle relation entre ce côté digital, mais aussi ce côté Instadia, pour que les personnes qui viennent dans le stade aient une expérience
multifacette un petit peu et qui soit à 100% du début à la fin, quoi, engagé. Ouais. Exactement, et je pense qu'on l'a déjà évoqué précédemment aussi, mais l'accessibilité, c'est important. Ouais. Que n'importe qui a envie de pouvoir venir voir un événement puisse le faire, peu importe son milieu social, peu importe ses appétences ou ses convictions, que tout le monde puisse venir au stade et partager un moment ensemble, parce que le sport est vraiment fédérateur, je trouve. Ouais, bien sûr. Et bon, dans tous les cas, je pense que les JO l'année prochaine sont une très belle opportunité pour prouver ça, justement. Donc, c'est un peu les deux piliers que je vois, le digital et l'accessibilité. Très bien. Et donc, ouais, les JO qui vont être un gros sujet, enfin, qui doivent déjà l'être, j'imagine, en préparation peut-être, mais un gros sujet pour l'année prochaine. Est-ce que tu as des petites anecdotes un petit peu, une ou deux anecdotes à nous partager parce que j'imagine que ça fait ton cinquième Roland-Garros que tu C'était fais. Mon cinquième Roland-Garros cette année, ouais. Cinquième Roland-Garros, j'imagine que Rolex Paris Masters, t'en as fait pas mal aussi. Ouais. J'imagine que t'as, voilà, des événements, il se passe pas mal de choses. Est-ce que tu as des petites anecdotes à nous raconter La première, c'est pas vraiment une anecdote, mais c'est plutôt une ambiance que j'aimerais raconter. C'est vrai que pendant les tournois, on est directement dans le stade, souvent au plus près des joueurs. Donc, par exemple, pendant le Rolex Paris Masters, il nous arrive de voir un joueur qui s'échauffe vraiment à 2 mètres de nous pendant que nous, on est en train de travailler sur nos ordinateurs. Cool. Okay. Donc ça, c'est vraiment très sympa de croiser des joueurs, forcément, d'aller les voir s'entraîner au quotidien. C'est super sympa quand on est fan de sport. Vous avez un peu l'expérience money can buy, mais avec le boulot, quoi. Okay. Exactement. Okay. Donc ça, c'est vraiment les bons côtés de travailler dans un environnement sportif. Et puis, on a aussi la chance de pouvoir jouer sur les terres battues de Roland-Garros. C'est cool. Alors, en dehors des périodes de tournoi, évidemment. Ouais. Ou au centre national d'entraînement aussi où on peut aller jouer à l'année. C'est cool. Encore une fois, là, on peut taper la balle et se comparer ou pas à un joueur sur le terrain d'à côté. On peut y aller entre collègues, avec d'autres licenciés aussi. Donc c'est vraiment des expériences très sympas à vivre qui augmentent un petit peu le cadre de vie dans le sport. Ok, très bien. Bon, ça fait c'est des petits moments sympas à vivre quand on a la chance de pouvoir travailler à la Fédération Française de Tennis. Exactement. Ben voilà, je crois que c'est tout pour moi. Merci beaucoup, Jérémy, d'avoir participé à ce podcast et de nous avoir partagé autant d'informations. Ça me fait très plaisir et au plaisir de pouvoir te réinviter dans potentiellement un second épisode si tu veux nous en dire plus. Avec plaisir. Ben voilà, merci beaucoup et merci. À une prochaine. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté Storytellers. Chez Fast Story, nous sommes convaincus que l'expérience fan est la clé de la réussite des marques et c'est pourquoi nous mettons cet élément au centre de toutes nos actions. Nous sommes déterminés à aider nos clients à créer des expériences qui représentent leur communauté et qui établissent des liens émotionnels forts avec leurs fans. Nous espérons que notre podcast vous a inspiré à créer des liens plus forts avec votre communauté. Si vous êtes intéressé pour une démonstration de l'outil Fast Story, alors n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet faststory.io pour y découvrir nos nombreuses réalisations. Et comme toujours, si vous voulez en savoir plus sur les bonnes pratiques de l'engagement ou tout simplement échanger à propos du podcast, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur nos réseaux sociaux @faststory et surtout à vous abonner à ce podcast. Merci encore de nous avoir écoutés et à bientôt sur Storytellers.